aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme parce que j'ai préparé pour vous une routine vocale infaillible pour débloquer vos notes aiguës. C'est parti! Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix Chantée. Un très grand merci d'être avec moi pour cette routine vocale spéciale notes aiguës. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'explication des exercices parce qu'on va enchaîner la routine sans arrêt, non-stop, pour qu'elle soit super, super, super 100% efficace. Si vous rêvez d'apprendre à bien chanter, de développer votre voix, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Il y a plus de 950 vidéos de tutoriels d'exercices vocaux pour vous aider à travailler et à améliorer votre voix. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo et bien sûr, aimez cette vidéo pour refaire la routine proposée. Si vous avez envie d'avoir une routine vocale juste pour vous, pour votre voix, votre tessiture selon vos objectifs vocaux, alors là, c'est super parce que le bilan vocal avec moi en ligne peut vraiment vous aider à découvrir et en apprendre beaucoup plus sur votre voix. Rendez-vous sur ecolelavoixchantée.com pour tous les détails. S'il y a un exercice dans lequel vous n'êtes vocalement pas à l'aise ou si vous avez de la difficulté lors d'un exercice, aucun problème, faites simplement arrêter l'exercice et passez au suivant. Nous allons débuter la routine vocale d'aujourd'hui avec un exercice d'échauffement, le humming glissando. Inspire avec moi. Super. Inspire. Inspire. Glissade. Inspire. Glisse. Reviens. Reviens. Inspire. Inspire un dernier. Super! Passons déjà à l'exercice numéro 2. Je vous rappelle, bien sûr, d'avoir à portée de main une bouteille d'eau ou un verre d'eau pour hydrater votre voix. Exercice numéro 2. N sur une quinte. C'est parti! Inspire.
Inspire. On garde le son en avant. Inspire. Un autre. Inspire. Un tout petit dernier. Inspire. Super. Exercice numéro 3. Le humming suivi de la voyelle A sur une glissade. Hum. Un autre. Inspire. Glisse. Un autre. Un dernier. Inspire. Je vous invite bien sûr à boire une gorgée d'eau entre les exercices pour hydrater votre voix. Prochain exercice pour travailler la voix de tête et les intervalles avec la voyelle OU. Avec moi. Un autre inspire. Un autre inspire. Un autre dernier. Prochain exercice, nous allons travailler la souplesse vocale du grave, médium à l'aigu avec le tri des lèvres. Si vous avez de la difficulté à faire le tri des lèvres, aucun problème, chantez le humming ou chantez sur hum. C'est parti. Inspire. Inspire.
inspire. Un petit dernier. Super. Prochain exercice, nous allons travailler Niui pour le placement dans le masque et le placement des voyelles dans les aigus. C'est parti. Si à tout moment, vous avez de la difficulté, vous sentez que vous forcez, que votre voix est coincée, n'hésitez pas à utiliser une paille. Une paille pour vous aider à libérer votre voix. Inspire. Inspire avec moi. Travailler hou sur une note à la fois. Nous allons chanter hou trois fois. Vous pouvez ajouter ou non le vibrato. Chanter avec le son plein hou ou avec la voix un peu plus falsetto. C'est pour vous. Bon exercice. Avec moi, démonstration. Hou trois fois. Inspire. 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 On augmente. Ré. Inspire. 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 On augmente d'un demi-ton. On soutient bien. En voix de tête, toujours. Inspire. Inspire. Une dernière fois. Inspire. Bien. Mi. Inspire. Inspire. Inspire.
super. Pour ceux et celles qui trouvent l'exercice un peu trop difficile pour le moment, vous pouvez passer à l'autre exercice, aucun problème. Si vous êtes courageux, courageuse ou soprano, on continue. Moi, j'ai ma paille ici parce que parfois, souvent, on a tendance à cette hauteur à forcer. Donc, si vous avez l'ingrédient magique, la paille, allez vous en chercher une parce que vous allez en avoir de besoin. Donc, inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Pas facile. Fa, pas facile. Fa dièse. Je le fais avec vous. Inspire, souffle. Inspire, souffle. On va terminer sur le sol. Si vous avez lâché prise, si vous avez lâché prise à faire, c'est OK, mais on peut l'essayer, pourquoi pas. Avec la paille, tout est possible. Donc, on essaie, je dirais aussi, de ne plus chanter le « ou » complet, mais bien « ou » transformer un peu le « ou » avec un peu de « a ». Inspire, souffle. Wow! OK, inspire, souffle. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je conseille pour cet exercice, peut-être la prochaine fois, avoir avec vous une paille. Une paille pour faire l'exercice avec la paille. Pour ramener votre voix au calme, je vous conseille fortement, fortement de faire le cool down qui suit à l'instant. Sur humming. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous dis un très, 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 très gros, immense bravo pour avoir complété cette routine vocale. Ce que je vous suggère de faire,
c'est de reposer votre voix pour aujourd'hui. N'allez pas travailler de chansons ou quoi que ce soit. Vous avez travaillé votre voix et ce n'était pas une routine facile. Pour ceux et celles qui veulent suivre un cours de chant, un coaching, un bilan vocal avec moi en ligne, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com pour tous les détails. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres routines vocales. Je vous invite à regarder le mindset d'un athlète vocal. Je crois que cette vidéo peut grandement vous aider. Nous, on se revoit dès la semaine prochaine pour un autre épisode des Super Athlètes de la Voix. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Bye bye.